Chose promise, chose due. Le one-to-one est là. Tagne condom, fi mon tralala. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi tu es maladroit comme ça? C'est ce qui est malchanceux avec toi-même. Je me dis parfois tu es bête. Tu vas me faire du thé giflé comme ça. Voilà pourquoi quand tu fais parfois, je n'ai pas matché avec toi. Je veux dire que tu as fréquenté mouton. Monsieur, s'il vous plaît, et si on ne prie pas, parlez posément et normalement, s'il vous plaît. Excusez-moi, madame, pardon. C'est comme vous voir le ministre. Qui l'a laissé entrer ici comme ça, hein? Et si c'est un ministère et on n'entre pas ici avec ce genre de vêtements? C'est bête, hein, mon petit. Mais tu vois, on a traversé toute la sécurité là, jusqu'à arriver à ton niveau avec ces bagages. Pour toi, c'est que cela s'en fout. Donc tu crois que ce n'était pas d'une importance nationale? On a nous laissé passer? Mais c'est très important ce que nous avons à main là. D'ailleurs, pourquoi je donne les explications? Je vais voir le ministre. Le pays est en difficulté, vous jouez. Madame, laisse. On peut voir. D'abord, c'est pas avec elle qu'on a affaire. Madame, vous savez ce qui est dans ce sachet? Voyez le pays. C'est le pays qui est là. On va rencontrer le ministre. Monsieur, qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous voulez? Sa Majesté, Mbeidogo. Et je suis avec le premier notable de mon village. Manko, Blakoya. Blakoya, Manko. Et nous voulons rencontrer le premier ministre, c'est très important. Voilà. Pourquoi faire comment? Le ministre nous a donné une responsabilité. Tu n'as pas besoin. Oh, petit frère, tais-toi. Okay. C'est au ministre qu'on a. Monsieur, et si on ne parle pas pour vous, ne crie pas. Oui, on est voilà. Oui. La prochaine fois quand vous allez arriver ici, tâchez de bien vous habiller. Ok? Et comme je vous le dis, le ministre ne peut pas vous recevoir aujourd'hui. Alors, revenez demain. Climatiseur, il y a aussi une conférence, non? Majesté. Donc, on revient demain. Revenez demain. Comme c'est toi qui nous l'a taxi. Ça te risque et péril. Hey! Non, majesté, pardon. Il te fasse pas. Majesté, la dernière fois que tu as fait ça dans un bureau, ta fille est tombée l'épilepsie au bureau, pardon. Ok, c'est bon. C'est bon. Debout. À cause de toi, il fait une capsule de 5. C'est bon, debout. Vous déposez vos sacs, d'ailleurs, et puis je vais poser un bureau. C'est même ça qui nous amène ici, madame. Hey! Ça, c'est le pays qui est dans le sac. Tout ça, c'est pourquoi j'avais proposé qu'on mette les ventilateurs dans les ministères. Tu fais une démo aussi pour vous. Quand tu marches avec moi, sois un peu sage. Tu te Monsieur, j'insiste encore sur le fait. Est-ce que vous pouvez déposer des yeux avant de... Madame, c'est ça qui nous amène. C'est ici le truc. Si tu peux t'imaginer ce qu'il y a ici dedans. C'est le pays qui est là. Le pays. Tu peux aller à ton parti. Ne crie pas ici. Ok, ça c'est va. C'est pas l'orphelinat ou une école criminelle. C'est une école française. Ça va, C'est bon. Venez à l'heure, on va voir le ministre. Aïe! C'est... Ne nous dérange pas, hein. Ne nous dérange pas. D'abord, on a dit qu'on cotise 2 000.
ton fils est venu avec 1200. Alors, c'est bon. Mais, on sort du ciel, on t'appelle mon frère. C'est vrai. Il y a là encore un problème. Ils ont d'abord tout là. Deux défenses. Je vais vous battre ça. Floquet. Qui t'a amené ici? C'est qui ça même? Faux étudiant. C'est la première fois. Moi, je ne sais pas tout ça. Qu'est-ce qui vous amène ici? Tu fermes ta bouche quand je parle ici. Tu sais, on est venu ici là. On risque d'entrer en détail. Hein. Faux étudiant. Salut. C'est là. Soyez bref, vous savez que je suis très pressé de nous. Oui, oui, voilà. Je t'ai dit que je suis très bref. Excellence, ça, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui nous a amené jusqu'ici. On a battu un travail d'enfer, mon petit et moi. On a fait le tour de tous les problèmes du pays. Quand vous avez annoncé que tout le monde doit pouvoir s'imprégner de la situation, qu'est-ce que nous on a fait? J'ai pris la peine et le temps de faire les 10 régions. Région par région, secteur par secteur. On a réuni le problème de tout le monde. Ça, c'est le problème de tout ce qu'on, chez qui on a parcouru. Il y a d'autres dans la voiture, hein. La voiture. Tout ça, bon. Recule ça un peu. Arrête, recule ça. C'est quoi mon problème? Les gens ont des problèmes, hein, Excellence. Trop. Bon. Ça. Ça, c'est chez les... C'est chez les... Nous étions au nord. Voilà. Ça, c'est... Tous les doléances des gens du Nord. Les gens du Nord, nous sommes arrivés là-bas sans même faire 2 jours. Les problèmes n'ont pas pu suffire sur le cas ici. Ils ont dit que vous avez promis le forage là-bas, vous n'êtes plus jamais revenu. Que le forage avec les bonnes fontaines, vous n'êtes pas passé. J'ai dit que non. Mais vous pensez qu'il y a une possibilité de le faire, on ne l'a pas fait. C'est ça que nous on a expliqué là-bas. J'ai tenu le discours jusqu'à un moment donné, ma voix est partie. Mais on a commencé à creuser les puits. On a fait 2 puits. 2 puits. 2 puits là-bas avant de partir. Et sur ce, on a dit que calmez-vous, l'appétit vient à manger et que les choses viennent progressivement. Ils ont commencé à dire que, yeah. Bon, un moment, ils ont commencé à faire le patois. J'entendais seulement que jam. Ouais. L'autre parle, l'autre bon, jam. Après l'autre, dit, jam. J'ai même senti la jalousie. Hein. J'ai même senti la jalousie. Oui, oui. Quelqu'un veut votre place là-bas. Hein. Voilà. Et maintenant, nous sommes également allés chez les gens de petite taille là. Oui, oui, oui. Oui, chez les pygmées. Voilà. Les pygmées disent que, hey, qu'on a fait à ce que tous, au lieu de travailler, d'avoir des bons boulots, ils sont maintenant tous qui des tradis praticiens. Et que les naturopathes ont gâté les marchés. Que maintenant... C'est la concurrence déloyale qui est sur le marché. Que les marchés de technologie, de pratique, de magie, ça ne marchait plus comme avant. Les gens ne voyageaient plus le week-end pour venir là-bas comme c'était. Voilà, qu'avant les grosses personnes qui étaient venues de l'Europe pour venir chez eux se soigner. Que les naturopathes ont tout gâté, tout saboté, tout. Et ils se plaignent aussi que là-bas, ils ne voient plus les... Comme ils vivaient de la chasse et de la cueillette. Que même les cancrelats, il n'y a plus là-bas. Que même les cancrelats, il n'y a plus là-bas. Donc ils sont obligés de semer les manioc, manger, alors qu'avant c'était pas comme ça. Bon, nous sommes aussi allés et... On est allés, chez les gens ont fait le cookie là. Donne les préfets. Nous sommes allés aussi chez... Nous sommes allés dans l'Ouest. On a fait le tour. Excellence, est-ce que tu t'imagines que cela, entre eux ne s'entendent pas? Entre eux ne s'entendent pas. Même les chefs qui font semblant d'être avec vous, ils sont avec vous parce qu'ils mangent. Hein? D'autres sont avec vous, mais ils ne sont pas avec vous. Hein? Ça. Sincèrement, hein? Faites attention. Hein? Nous sommes quittés, on a fait le tour là-bas, on a dit, mais entendez-vous d'abord avant qu'on nous voie ce qu'il y a lieu de faire. Nous sommes quittés maintenant, allez où Omar le héros là. Omar le héros, aïe aïe aïe. Là, tout ce que nous avons parlé, c'est ça, on a grave fraudé. On a grave fraudé. Il disait qu'il y a un problème de déséquilibre. Voilà. Il y a des choses qu'on a données ailleurs, qu'on ne lui a pas données. On a graffé, jusqu'à ce que nous sommes partis. Nous sommes quittés maintenant, allez, chez les gens de... Ouais, comment on appelait le... On nous a reçus avec le Mogo Tobi là. Avec le Mogo Tobi, oui. Ils disent qu'on a, on ne valorise pas les héros nationaux. Voilà. Qu'on ne valorise pas les héros nationaux. J'ai dit que, yeah, est-ce que le problème en est à ce niveau? Aujourd'hui, on a demandé à ce que tout le monde se sent imprégné de la situation. Nul n'était la force spirituelle de Mboutoumou comme ici. Yeah. Pour nous jeter les prêts, ou même les panaris là-bas. Yeah. Excellence, si je vous explique les choses, j'ai croisé le lion. On a croisé le lion dans certains villages. Hein. On a croisé le lion.
Nous sommes arrivés à un endroit où j'ai vu un cobra. J'ai dit que si tu es là pour défendre les intérêts du pays, disparaît. Ça a disparu. Après, tout le monde a commencé par dire que Minayou, le cobra a dit Yunami. Et c'est où tout le monde dit on sera casse-casse. Voilà. Après, j'ai fait, il y a faux. Il y a faux. Ça a disparu. Donc, on a tellement parcouru que. Il y a d'autres dans la voiture. Hein. Il y a trop de problèmes. Voilà, mais n'oublie pas le problème. On a hein? Bon, il y a les aveugles. Ya. Oh, les aveugles, c'est plein. Les voitures les respectent pas en route. Ils disent qu'on ne peut pas faire en Europe avoir les bâtons qui signalent pour qu'ils traversent la route avec. Que les motos les couillent. Les voitures les couillent. Qu'on n'a pas de plaque de signalisation des aveugles. Je les ai dit que vous sortez d'abord, vous partez où? Que restez à la maison. Que restez à la maison. Les handicapés, là, c'est de la mobilité rudite. Voilà. Voilà. Ils se plaignent alors que dans les immeubles. Que même quand ils viennent dans votre ministère ici là, il n'y a même pas l'ascenseur réservé pour eux. Oui, pas d'espace. Oui. Quand on doit faire l'ascenseur pour les tricycles, eux qui marchent avec les tricycles, on doit pouvoir faire l'ascenseur pour eux. Et nous sommes arrivés aussi dans un village là, on dansait les Siwe. Oh, les avortements là-bas, excellent, les avortements là-bas. Là-bas, on dit qu'ils avortent qu'avec la lame de rasoir. Qu'il n'y a rien qui est pris. C'est toi qui as fait rentrer dans le pourquoi? Non. Il n'y a rien même pour les premiers soins. Voilà, purifier, disais mon purifier. Désintox, voilà. Quand on ne désintox pas les. Pas désintox. Il n'y a rien pour. Comment est-ce qu'on appelle ça là? Université, voilà, université. Université. Ils n'ont pas dit l'autre là. Donc, excellence. Bref, que là-bas, il faut des choses qui vont les éviter, les tétanos. J'ai dit que, mais, vous avez d'abord... Pour désinfecter. Voilà. Que battez-vous d'abord. Que tous les ressortissants de ce pays doivent tremper la main dans la pâte afin que les choses reviennent dans la norme. Que nous n'allons pas abandonner nos chefs croyant qu'ils ont les 5 pieds, ils ont les 4 bras. Que tout le monde va se sentir concerné. Et maintenant, Excellence, hier, alors, on a reçu une délégation de vendeuses de piments. De Bonaberry. Wombo! Elles disent que le marché est saboté, que depuis un certain moment, il y a un contingent de filles qui sont entrées dans le littoral. Elles ont cassé les prix. Elles faisaient la nuit à 2000, maintenant c'est 300. Mais Majesté, qu'est-ce que le piment vient faire dans le débat? Le piment, non, Excellence! Il y a un peu de il n'y a pas le piment du poisson blessé. Non, Excellence, tu es dans le climatiseur, tu vas comprendre. Donc, il y a des situations. Il y a des situations. Les Bensiguenais se plaignent aussi que leur casque c'est un chapeau. Les manquent de respect. Oui. C'est-à-dire que les Tassimans aussi se plaignent que c'est les Bensiguenais qui travaillent tout en route. Voilà. Voilà. Que leur casque c'est un chapeau. Qu'on doit pouvoir voir comment est-ce qu'on va pouvoir mettre à leur disposition les casques. Et voilà. Qu'il y a un gel à bimoto. Et il y a dû disposer les casques pour eux, mais que ça ne suffit pas. Voilà. Ils disent aussi que maintenant tu sais plus qui est Bensiguenais qui ne l'est pas. Que Rachel a montré que c'est pour aller au travail, mais il travaille avec. Voilà. Donc c'est ça, que même des gens qui disent qu'ils ont la moto pour leur boulot, après le boulot, ils font que les crandos. Je vous ai écouté parfaitement. Donc on a recensé, Excellence, même la diaspora. On attend le courrier de la diaspora, ils ont dit qu'ils vont nous envoyer ça par la poste. N'oublie pas aussi les gens qui disent qu'ils ne savent pas. Il faut qu'on commence à indiquer la différence entre la chaussée et le trottoir, parce qu'on ne connaît plus. Ils ont tous des problèmes, ils ont... Tout ça, c'est tout ça. Attends, si je veux prendre même les bailleurs, les locataires ne s'entendent pas. Hein. Voilà. Il y a peu. Voilà. Ça, c'est leur point de code pénal qu'ils ont sorti. Les divorces. Donc, en tout cas, laisse, excellent, Mali. La secrétaire, elle pourra ranger ça et vous transmettre ça. Donc, nous, on n'a plus la peine vraiment de. Faut dire ranger bien ça. Donc, voilà. Excellent, vous voyez le travail qu'on a battu sur le terrain. Voilà. On a battu un travail mortel. De nos finances. Un gros travail, on a battu. Bon, ce que vous allez faire, n'est-ce pas? Ouais. Vous savez, un site a été créé par rapport à la circonstance. Donc, vous allez aller me scanner toute votre valise là. Vous me la scannez et puis vous balancez sur le site. Je serai au courant de vos problèmes. Bon, il n'y a pas de problème, c'est là pour maintenant. J'ai assis. On a fait le tour des régions. Un homme ne sait pas, on pouvait nous mordre. On a fait le tour maintenant. Si... Et qu'est-ce que vous voulez maintenant? Excellent. Tu dis pas, mais ça. Tu comprends, vous êtes bien, excellent. Excellent. Ne l'enveloppe pas. Mais vous travaillez pour la patrie, monsieur. Hein? Vous travaillez pour la patrie. C'est la patrie qui paye ma maison, excellence. Je suis en location. La partie, c'est pour deux. Vous avez fait comment vous retrouver ici? On a fait comment vous retrouver ici?
Faites la même chose. Est-ce qu'un ministère se cache? Faites la même chose pour rentrer chez vous. Non, tu vois, non. Tu vois ce qu'il te dit, non? Le problème, c'est pour tous les Camerounais. Hein? Tiens là. On est en train de chercher à arranger le problème de tous les Camerounais, monsieur. Chacun doit se battre. Est-ce que c'est moi, tous les Camerounais? Ben Tomo. Il te dit dans le débat qu'il veut déjà viser le dialogue ici. Voilà. Ok, bon. Il y en a qui j'ai terminé avec vous, monsieur. Je ne salue pas. Je ne salue pas. Je ne salue pas. Tu ne dois rien, c'est là. Mais ma carte t'as assis. Merde, le type c'est sérieux quoi. Merde. Il y a des gens qui ont de salut dans ta soirée. Oh, je pas, je m'as un grand bim banga yena. Et tu sais ce que je vais le faire. L'épilepsie n'est pas petit, petit. Bon, tu sais. Moi, c'est Napkou. Moi, c'est Napkou. Je vais arranger le merde. Prochain remaniement, demain, Gazundo, il va quitter. J'ai le jupe ici, ça va te dire. Comment ça? Il vient de lui, il parle, il fait. Avec tout le sacrifice qu'on a fait dans les villages. Et cela, ce n'est pas normal, ça. Ça, c'est. Tu sais, laisse tout ça. Il va plus la balayer, ça. Ça, c'est un coup de balayer, là. Il faut sortir par où? Yann, attends, je prends le papier des affaires sur. Laisse ça, il va y balayer. Ça, c'est à quoi? C'est mon chargeur, mon chargeur. Je prends le chargeur, pas. On a marché. Mais, Excellence, ça c'est pas normal, hein. C'est pas normal. L'amiral is me, and you are on the beat. Même il est sans voir les mélodies golo. Zigon Kralala, le soutien conditionnel. L'on propose, Dieu dispose. Tous les jours les gens pleurent, mes amis faites attention. T'as qu'à demander ton ami, tu sais pas comment tu vas finir. Tous les jours les gens crient, mes chéris faites attention. T'as qu'à demander ton voisin, tu sais pas comment tu vas finir. Yeah. Il dit jamais, jamais, il dit jamais, jamais.